Merde, je suis en direct. Je m'attendais pas à ça. Bonsoir. Les gars, plus que 11 et c'est la fin. Vous allez bien, messieurs? Oui. Ça va? Ça va bien. Salut, Mary. Salut. On est quoi? Je le sens à ta voix qu'on est content de se retrouver. Il y a un truc là. Non, pas spécialement. Ah, d'accord. Non, mon dieu. Je suis toujours heureux en fait. Je suis toujours juste quelqu'un d'heureux. Ah, d'accord. Moi, je pensais que c'était dû à moi. Mais je suis heureux. Après, est-ce que le chat est aussi heureux? Je ne sais pas. Faut leur demander. Oui, mais je constate. Ça va, Mary? Ça va bien, ouais. Quoi de beau? Bon, la routine. Mais fais-nous un petit récap un peu là de ce confinement et tout. On a besoin de savoir un petit peu à quel point tu t'en sors pas, tu souffres énormément là. Ah ben non, mais alors ça c'est une idée totalement reçue dans la mesure où pour moi le confinement ne change rien. Hein, le confinement pour moi c'est comme ça depuis des années. Et alors, t'as donc rejoint. Je peux parler de manière anonyme? Bien sûr. On dira rien, Mary. Oui. Alors, t'as rejoint la Salty Academy, vous êtes donc deux, c'est ça? Voilà, avec mon comparse, on est deux. Je rappelle que par souci d'anonymat, on l'appellera Mary, alias Vincent, évidemment, voilà. Pour qu'il garde son anonymat le plus complet. Oui, parce que ça peut me poser des problèmes, quand même. Bien sûr, non, mais on entend bien. Vincent, depuis votre retour donc à la Salty, est-ce que tout se passe bien pour vous? Est-ce que ça roule comme vous le souhaitiez? Peut-être des petites déceptions par-ci, par-là? Comment ça se passe? Alors, je dois avouer que j'avais pas mal d'appréhension au début. Non pas à cause des attouchements dont je suis victime régulièrement, mais on dira les noms évidemment ce soir. Oui, voilà. J'avais une certaine appréhension qui s'est dissipée au fil du temps, mais ça reste extrêmement difficile d'être proviseur d'un campus de la Salty Academy. Je veux dire, c'est une pression constante. Petite question aussi subsidiaire, qui on s'arrêtera là. Hein, pour, je sais que vous êtes un homme très pris, si je puis me permettre, et très convoité par la jambe féminine. Ouais. Monsieur Vincent Mary, comment se passe d'après vous l'avenir? Comment va se passer votre avenir au sein évidemment de cette académie? Ça c'est simple, hein, le schéma est typique, je vais me barrer. Ok, j'entends bien, oui, totalement. Est-ce que c'est prévu très rapidement ou dans un non, peu non, plus non. de temps? Non, non, pour l'instant les choses se passent plutôt bien, il faut dire que j'ai des compensations financières assez importantes, hein, bien évidemment. Bien sûr. Je travaille pour l'argent, tout simplement. Bien sûr, c'est normal, hein, monsieur Vincent Mary, évidemment. Donc, quoi qu'il arrive, à l'issue évidemment de cet entretien et de cette continuité, d'après ce public, vous allez donc Natchav, si je puis me permettre. Pardon ? Vous allez Natchav de cette Salty Academy. Je ne connais pas ce mot. Alors, il faut savoir que je n'ai pas fait d'études et que je ne parle qu'une langue et je la parle mal. D'accord, j'entends bien. Et est-ce que vous êtes Morgane de quelqu'un, finalement? Hein? Moi, par exemple, pour vous donner un exemple, monsieur... Oui, bien sûr. Oui. Moi, je suis, par exemple, Morgane d'Alfouille. Mais vous êtes Morgane de quelqu'un ou... Ah, de B-Boy. D'accord, Morgane de B-Boy, d'accord. Mais bon, il n'aime pas trop qu'on le cite, mais je suis totalement Morgane de lui. D'accord, ça fait extrêmement plaisir. Merci en tout cas pour cette petite entretien. Ah bah je vous en prie. Et au plaisir de vous réaccueillir. Merci beaucoup. Ah ça déconne là, voir. C'est notre pot géant. On est passé dans une aiguë là, c'est pas normal. Alright, I've got to show you guys. I'm Min Brody. Ok, and me, I'm Mary. Oh, Mary, really? On banque qui les gars, les gars, on fait de la stratégie, on fait de l'opérationnel. On nous enlève un petit ermite, hein, comme ça ils vont pas nous faire. Quoi? Pas Maverick? Voilà. Moi j'aurais dit Termite Thatcher. Mais mais c'est bien, un petit Termite, on l'emmerde Termite. Eh oh, tu parles pas comme j'ai ça. J'ai overreact. Ah bon bah ça passe alors. ça va. Restez pas devant comme des totos que je vous mette pas une tête là. Ça commence pas mal cette histoire là. Voilà. Mais non mais retirez les gars, c'est débile. Les gars, faut que vous arrêtiez d'écouter. T'es éclaté hein. Et retire-moi ça tout de suite, éteins-moi ce logiciel. Apparemment t'as un problème de son, du bruit. Et non, c'est quoi mon problème de son, les gars? Je sais pas, ils disent qu'il y a un bruit bizarre.
pas un ordi qui s'envole. Ou c'est pas le PC qui s'envole. Hein, nouveau chargeur pas le jeu. Bon les gars, je peux jouer un petit peu à Rainbow Six Siege ou quoi là? Au lieu de qu'on évolue vie là. Non, c'est bon. Ah oui, bah, c'est le vieux PC, c'est pour ça. Bien joué. Bordel. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh putain, je... laissez mon ace, laissez mon ace. Oh lolo. Mais bon, pourquoi ils viennent tous un par un? Ouais, je te jure. Waouh. Oula. Tu peux me soigner, non? Oh non, je l'avais. Oh bah flûte. Vite, docteur. Vite, docteur. En ta gueule. Je suis pas un con. Hein. Petit Porto Rican. Dans son building tout de verre et d'acier. Yeah. Attends mais Jojo il t'a vraiment demandé d'installer Voice Meter? Non non. Ace. J'ai à 2h30 du matin il m'envoie un truc Vintes. Mary? Oui. Est-ce que pour 50 balles je peux te mettre une gifle, mais une bonne gifle toi, un truc un peu appuyé quand même tu vois? 50 balles? Franchement 50 balles tu me prends un petit peu pour ta pute hein. Genre, bon, 60, bon. 70, allez. Hey, tu sais quoi? Je vais peut-être lâcher 50 balles. Hein. 70, vas-y. Mais, so- mais, une, mais bon, pas une caresse. Il peut être l'attrape. Non, non, mais un bon truc. Tu sais qu'on entend le bon claque, quoi, tu vois. Il faut que ça claque, il faut que ça claque. Oui, oui, voilà. Peu importe, si tu as un concours de vivre, gros, ça claque. Hein. J'accepte de pleurer. D'accord, ok. Je note. Comme ça t'excite si je pleure? Bien joué, on se voit en vrai. J'ai eu 70 balles. Je vais reprendre ma tête. Non, non, mais filez-moi en avance, par contre. Bien joué, gros. Oh non, je lui mets. Il est où? Il est au top, il est au top. C'était bien, Wedge. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie et être aimé. Pardon. C'est parti au couille, gros. Je sais pas ce que c'était, mais. Ouais, je tente des trucs. Il se transforme en Chewbacca. Et être aimé. Trappe, il est tombé, trappe l'autre. Tombé, trappe, 100%. Non, en fait, le problème de Mary, savoir, parce que là, bon, là, attends. Il est rigolé, hein, vous savez que... Bien joué. Dernier agent, l'autre sur site. Il est là, les gars, je vous ping maintenant. Bien joué. Mission réussie. Moi j'ai une belle voix. Ça s'entendait le filtre, ça grésillait un peu, ça faisait un truc bizarre. Vous êtes dans la critique aussi, vous. Vous êtes dans la critique de toute façon. Non, on dit ça pour bah, non, non, vous êtes dans la critique. Pas une carte audio externe et un compensateur. Hein. Un filtre pas naturel, c'est dégueulasse. Mais le pauvre, mais frère, le pauvre de quoi, gros? T'as cru il allait chialer ou quoi? Lui qui a décidé de le mettre. Les gars, soyez pas con, putain. Non, mais on entendait quand il parlait. Les gars, c'est un pote. Vaut mieux être honnête avec lui et lui dire, gros. C'est de la merde. Attends, ça se trouve, il le règle aux petits oignons, ce serait bien. Non, mais là, il y avait pas. Trop de. En fait, le problème, c'est que le filtre s'entend, ça augmente son gain. Enfin, il y a rien qui va. Quand tu rajoutes des filtres logiciels, c'est comme je dis, tous les micros. En fait, plus tu vas dépenser dans un micro, plus tu vas acheter des filtres physiques. C'est par des ampoules et tout, tu vois. Oui. Mais là, c'est un filtre logiciel. C'est dégueulasse, gros. Et du coup, ça robotise trop. Mais non, ça fait une voix pas naturelle, en fait. T'as une sensation un peu robot. Un gain de volume, c'est dégueulasse. C'est attention, dégueulasse. Votre drone a c'est ni fait ni à faire. Je vois que t'as apprécié quoi. C'était non, je lui ai dit. Premier truc que je lui ai dit, il a parlé, j'ai dit c'est de la merde. Vraiment, c'est. Plus jamais tu fais ça. Attends, j'ai balancé une grenade. Écarte-toi. Oh maintenant il s'est avancé. Coco. Ah, j'ai mis une caméra. Allez, gars, 3 et 4. Il est mid-life. J'ai pas fait un kill là, j'ai dans le caca. Tiré, Là j'ai focus là. Mary, c'est honteux. Ah non mais j'étais en train de mettre une clé mort mec. Ah ouais mais ça. Ah bah voilà. Elle a explosé direct, comment ça se fait? Non elle a pas, c'est une... Ah non d'accord, c'est... Magro, c'est Magro aussi. Un sur 6, 100%. Deuxième 6, 2 sur 7. Ah, t'aurais pu mettre ton drone bien qu'on le voit quoi. T'as mis des lésions. Allez, meurs pas, Mary, tombe pas. Un dans le couloir. Il est tombé. À gauche. Là, à il arrive. Il arrive. Décale à gauche. Allez, hein, faut réagir maintenant quand tu pilles. Plus le temps. Ah, mais frérot, fallait y aller vite en fait. Fallait y aller tout de suite, ouais.
Donc ça dégage pas, ouais. Ce n'est pas grave.